Bonjour. Bonjour, tu t'es lavé les mains? Non. Oh. Lors de la dernière vidéo, ouais. Nous avons mangé dans un grand restaurant. Tu te rappelles du nom? L'hôtel Maurice. Maurice, c'est ton gardien. Non, l'hôtel Maurice. Maurice, tout à fait. Qui était un restaurant gastronomique. Donc là, Daniel, je t'ai réservé une petite surprise pour midi. Ouais. Un restaurant légèrement différent. Ah d'accord. Je t'invite à me suivre. Et nous allons manger, Daniel, dans un tacos. Ah. Ça a pas l'air de te plaire. Bah pas trop. Hein. On va où là? On va prendre le RER. Oh non, il y a plein de punaises. Oh, j'ai acheté ça, regarde, un révulseur de punaises. Mais t'as acheté ça où? J'ai ma droguise. Tu le portes sur toi et ça chasse les punaises? Ouais, j'ai mis ça sur mon lit aussi. Il y en a partout. T'en as déjà eu? Non, j'en ai jamais eu. Eh ben, t'en auras jamais. Oh. Ça fait combien de temps que t'as pas pris le RER? Oh, 20 ans. T'es contente de y retourner là? Pas trop. Mais pourquoi? Parce que ça sent toujours la pisse. Mais tu vois, je te dis, t'es devenue trop précieuse. T'as un ticket ou pas? Non. Oh, c'est pas bien ça. Oh, tu connais toi? Daniela. Daniela. C'est pas bien les gars. Sinon, tu peux passer là, Daniel. Oh non! Ah non, j'ai pas frotté, j'ai pensé à le loup. Je t'amène dans un quartier dans lequel t'as habité. À Noisy-le-Grand. À Noisy-le-Grand, je te sens en panique. Un peu. Madame ne prend plus le RER. Approchons pas trop des gens, parce qu'il y a des punaises partout. Et tu crois qu'ils peuvent rentrer dans mon pantalon, là? Tiens. J'ai lavé mes draps à 60 degrés encore aujourd'hui. C'est le troisième jour que j'ai lavé mes draps. Et ça va dans ma poche. T'as des punaises de lit chez toi? Ah non! Oh, j'ai l'impression d'avoir des bêtes. Puis la chaleur là-dedans. Chaleur, y'a pas d'air. Oh, ça pue. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Bah, voici un peu de punaise. Je l'ai là, sur mon cul. Drôle d'idée, hein? Si tu vois quelque chose, tu me le dis, hein. Parce que là, j'ai l'impression de... J'aurais dû mettre un masque. Loulou, c'est quoi ta cause? C'est un peu le cousin du kebab. Oh? Ouais. Parce qu'il paraît qu'ils mettent du chat dedans. Je crois pour qu'il y a des punaises de lit partout. Il y en aurait partout, là. Pourquoi tu nous fais chier, alors? T'as vu avec les avions, là? Les gens qui vont être traînés dans le ciel. En fait, ils larguent des punaises de lit un peu partout. Ils doivent larguer plein de trucs pour nous faire mourir tous. Exactement, Daniel. T'as vu, Macron, il veut qu'on se fasse vacciner contre le papillonaravus, là. Pardon? Il veut qu'on se fasse vacciner contre le papillonaravus. Mais tu te coques, c'est pas possible. Mais non, j'ai mal au pif. T'as quoi dans ton sac? J'ai une arme. Pour me défendre, tu sais que tu peux faire du mal avec. Reviens un œil. Ben, tu le mets là. Pouf! Ou dans l'oreille. Faut savoir se défendre dans la vie. Je me défends très bien. Tu veux qu'on simule une agression? Arrête, quel connard! C'est là que j'ai habité il y a 30 ans. Une belle cité. Ici, c'est les cités de France, Marvalo. Oh, il faut monter les marches. Merde. Oh, tout est cassé là-dedans. C'est pas possible. Oh non, je peux pas. Allez-y, allez-y. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout est cassé. Merde. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié mon truc à punaise dans le métro. Oh, c'est pas grave. Ah oui, c'est grave. Mais non, mais grâce à toi, il y a tout un métro qui va être désinfecté. Oh ouais, mais je l'ai payé cher. Bonjour madame. Je cherche. Vous avez un truc pour les punaises de lit là? Ah, j'en ai plus. Oh merde. Tu sais qu'on doit aller bouffer un taco? Oui, je sais, Lulu, je sais. D'accord, excuse-moi de t'embêter. C'est une carte de fidélité? Oh non. Oh, il est pas fidèle, hein. Son mari en a fait les frais. Il était cocu jusqu'à la moelle, le pauvre. Oh, c'est pas vrai, madame. Des cornes. Il pouvait même pas rentrer dans le magasin. Oh, qu'est-ce qu'il est con, celui-là. Oh, c'est pas possible. Ils ont tout vendu. C'est incroyable. Ils ont été dévalisés. Peut-être qu'au tacos, ils vendront des trucs contre les punaises, hein. Bonjour, madame. Est-ce que vous auriez un produit pour les punaises? Je l'ai perdu dans le métro. Je suis désolé, hein. Elle devient complètement folle avec les punaises de lit. Mais arrête. Allez, souris à la vie, Daniel. C'est pas une punaise qui va t'abattre, quand même. C'est quand ton anniversaire? Je te le dirai plus. Pourquoi t'es énervé? Je suis pas énervé. Mais pourquoi tu veux pas dire ta date d'anniversaire? Le 28 août 54. Peut-être parce que tu vas devenir vieille. 70 piges. Je suis moins vieille que toi, chère Annie. Ça va? Oui, j'ai regardé au dernier vidéo, elle était super oh, bien. C'est gentil, au restaurant? Merci. Oui. Ah, c'est gentil. Incroyable. C'est merci gentil. Beaucoup. Tu t'appelles comment, toi? Victoria? Victoria Beckham? Elle a fait une blague pas drôle. Oh, merci. Ah, Arthur, je vais aller chercher des trucs asiatiques, là. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Je suis horreur comme tout. S'il n'y avait pas les punaises de lit, ça me dérangerait pas. Mais là, j'ai trop peur. Quand on prend des photos, me touchez pas. Mais on n'est pas loin sur le grand, là. C'est pas possible, je reconnais plus rien. Bah, ça fait 30 ans. Hein. Toi aussi, les gens te reconnaîtraient pas. Hein. Ah bah non, je crois pas. T'es devenue tellement belle. C'est con, toi. Mais non, c'est vrai. C'est Daniel, ça. Ouais, ça va. Salut, t'as. Alors, ça te tente? Pas du tout. On y va? J'ai l'impression que t'as peur. Ah ouais.
surtout que j'ai l'estomac des fois qui se fait pas traque. Qu'est-ce qui se passe quand t'as l'estomac fragile? Je dégueule. Je dégueule et je mets au moins une heure à dégueuler. Intéressant. On va voir. Allez, on teste. Oh, j'espère que j'ai lavé les mains. Bonjour. Oh, c'est ça le tacos? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Ah d'accord. On m'a coulé, tenders, nuggets, viande hachée, marquise, cordon bleu et de la viande kebab. Le poulet, c'est du vrai poulet. Ah là, ça a un goût bizarre, non? Non, ça a le même goût. Ah, merguez. Ils sont piquantes? Non, madame. Oh merde. La sauce? La sauce piquante. Récente? Ouais. Oh, ça va me piquer l'estomac. C'est quoi la sauce blanche, là? Ça, c'est de la boursin. La quoi? Boursin. Oh, la raclette. Je prends de la raclette. C'est quoi, tender? Tender, c'est de tender poulet, mais j'en ai plus. Oh, c'est pas grave. Cordon bleu, alors? Non, pareil, y a plus, madame. Oh, bah merde. Bon, moi, j'ai sur place, on porte. Alors, on porte. Ah oh, ouais, ça sera tout. Un verre de rosé. Et vous la faites comment, la galette? Ça, c'est pas nickel. Ah, c'est bien. Ah, merci beaucoup, merci, hein, merci. De votre amabilité. Au revoir. Oh. Au revoir, ta. Merci, ta. Bonjour, madame. Ça va bien? Il y a 30 ans, j'habitais dans le quartier, là. Il y a 30 ans. Allez, salut madame. J'ai rien compris ce qu'elle m'a dit. Et je t'aime trop tes vidéos. On t'est trop mignonne. Merci. Salut, ta. On va déguster. Immense truc. Oh, oh. Mais c'est pas possible. Comment je fais pour manger, moi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais j'aurais pas dû commander ça. Je vais pas manger tout ça, moi. Ça sent bon quand même. Pourquoi c'est aussi grand que ça? Il y a un problème, là. J'y vais. Bon, c'est pas l'hôtel Meurice, mais c'est pas mauvais. Moi, je trouve que ça sent bon, puis c'est bien épicé. C'est lourd, ce truc, ils ont mis quoi dedans? Oh, c'est bon. Oh, il y a des frites dedans. Ah, j'ai senti la merguez et puis la rissa. Ah, tu sais, la merguez, elle est pas si mauvaise, hein. Et dedans, t'as tout. Bah, le poulet halal, j'ai jamais mangé de la halal, moi. Tu vois, un peu ce qu'il y a dedans, là. Ça, c'est de la sauce. Ça, c'est du poulet. Du poulet, ouais. Là, il y a quoi? Oh, il y a la merguez. Et là, il y a des frites. C'est quand même bien fait, ce truc-là. C'est plein de protéines, en plus. Oh, je crois qu'on grossit avec ça, le loin. Ah bah, avec ça, oui. Je vais goûter les frites pour voir si c'est bon. Oh non. Ils sont pas bonnes, les frites. Je suis désolé. C'est vraiment des frites qui ne sont pas cuites. Elles sont bonnes. Oh, me dis pas qu'elles sont bonnes, loup, quand même. C'est pas cuit. Bon, j'en prends un dernier petit mot, mais je vais faire sur l'autre coin. Oh, c'est meilleur que le kebab, hein. J'en mange un petit peu, quand même. Ça se mange par où? Moi, je vais manger là, là. Moi, je vais manger là, tiens. Oh, j'ai mangé dans un ours. Oh, j'ai mordu dans quelque chose. Attends, il va se dépiauter. Aide-moi, le loup, est-ce qu'il va se dépiauter? Tu veux le garder pour soir ou pas? Oh non, j'ai assez mangé, loup. Je mangerai que demain midi. Bon bilan, Daniel, du tacos. Bilan? T'as pas une serviette, loup? Bah, c'est pas si mauvais que ça. Dedans, j'avais des merguez, du poulet halal, des frites, de la sauce harissa, de la sauce algérienne, du ketchup et des frites. Et de la merguez. Et un double steak. Consistant. Mais c'est bon quand même. Et tu le coupes en 4, ça te fait 4 repas quand même. T'avais la taille du paquet, faisait au moins 5 kilos. Je me suis taché encore. J'ai mangé un tacos dans ma cité, à Noisy-le-Grand. Ça me fait drôle de revenir ici, surtout que ma fille avait 3 ans. Et c'est drôle qu'il y a autant de tacos qui est ouvert, quand même. Tacos, kebab, tout ça. C'est incroyable. Bon alors, Daniel. Oui. La grande question. Meurice ou tacos? Bah, pour nous, c'est mieux tacos. Hein. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! J'ai mal à l'estomac. Oula. J'ai mangé trop vite et trop beaucoup, par tous les bouts. Combien sur 10? Non, je dirais 5 sur 10. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour avoir une meilleure note, le cuisinier? J'avais commandé du flash de fromage de raclette dedans. Ça aurait dû être plus racletteux. Mais là, j'avais tellement faim que je me suis pas aperçu qu'il n'y avait pas de raclette. Mais il y avait du fromage quand même? Pas beaucoup. Et tu vas pleurer? Ah non, non, non. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent des tacos de légumes, avec des courgettes, des carottes, des navets, des haricots. Les jeunes, merci de m'avoir regardé manger vos tacos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Ah, pas un pouce en bas, hein. Un pouce en haut. Ciao, ciao, bisous, ta. Daniel, 93 empires ou pas?